Qu'est-ce qu'un artiste pour vous? Un artiste, c'est quelqu'un qui veut représenter, même pas forcément ce qu'il veut faire. Il peut représenter ce que les autres veulent représenter. Il peut traverser la vérité s'il veut. Il est un peu, il est maître de ce qu'il fait. Il peut faire, par exemple, un artiste, il veut faire un tableau, et il n'est pas obligé de dessiner un rhinocéros sur le tableau. S'il veut, il peut dessiner un chien. Donc il peut faire, dans l'art, tu peux faire ce que tu veux, presque. Même si tu peux faire ce que tu veux. Pour moi, un artiste, c'est plus quelqu'un qui a choisi une autre manière de s'exprimer. Et comme nous, on parle pour dire que l'on est malheureux, que l'on est heureux, lui, à travers ses œuvres, il va diffuser ses sentiments dans et autour de l'endroit où son œuvre est placée pour que ce sentiment reste. Alors que dans la réalité, un jour on peut être très malheureux, et puis le lendemain on peut être tout à fait heureux. A pasta de amendoim que não virou pasta ainda, né? Mas vamos bater. Gente, ó, tá aqui os biscoitinhos. Por favor, botem em mim. Vai, escreve um adesivo pra gente e chuva. Like, dá like no nosso vídeo. Ô, gente, ó, obrigado por vocês assistirem. É, eu quero dizer pra gente uma chuva de likes. Gente, comentário vale 5 pontos. Vai, e compartilhação vale 10. Por favor, se compartilhe. E vê aqui na nossa casa. A comida que é mais curtida ganha. Por favor, e gente, amanhã a gente vai fazer outro pra gente comer. Não, vamos fazer amanhã. Amanhã a gente vai fazer outro. Dá um like no nosso vídeo. Beijo, tchau. Mas avec une œuvre. Si on peint un tableau où l'on exprime son malheur, le lendemain, même si on est très heureux, le tableau exprimera toujours le malheur.